Bonjour les fines bouches. Aujourd'hui, je vais me faire plaisir. J'espère bien sûr vous faire plaisir, mais je vais surtout me faire plaisir avec mon plat préféré. Est-ce que c'est parce que c'est l'un des plus longs à faire que c'est l'un de mes préférés? Moi qui ne cesse de dire que la cuisine, c'est d'abord du temps. Je ne sais pas. En tout cas, je vais vous présenter mon gigot de 7 heures. De quoi avons-nous besoin pour faire le gigot de 7 heures? Nous avons besoin d'un gigot préalablement préparé, soit par vous-même, soit vous demandez à votre boucher. Nous avons besoin de clous de girofle, de poivre noir, de thym, de laurier, d'ail, beaucoup d'ail, parce qu'on va les faire cuire en culotte. On a besoin d'un pilon, on a besoin d'une bouteille de Jurançon ou de mon basilic. Sel, poivre, donc au fond de mon pilon, j'ai mis de la mignonnette. La mignonnette, c'est du poivre concassé, à laquelle j'ai rajouté du gros sel et j'ai pilonné dans mon pilon de l'huile d'arachide. Quelle est la première étape pour faire ce gigot? On va le prendre, on va le frotter avec le poivre et le sel des deux côtés pour qu'il soit bien aromatisé. Allez, voyez, on frotte bien, on malaxe bien, on récupère tout ce qui est tombé, on remalaxe, voilà. Et là, on le laisse à température ambiante, comme ça, pendant 2 heures. Ah, dans 2 heures? Ça fait 2 heures, le gigot, il était dans la pièce. Je viens de le rincer pour lui enlever un peu trop de sel et autres. Vous voyez. Et je vais maintenant procéder à le faire dorer. Donc j'ai mis de l'huile d'arachide dans la sauteuse et je vais y mettre le gigot. On va le faire donc dorer. Pendant que le gigot va dorer des deux faces, nous on va prendre la bouteille de Jurançon, la verser dans une casserole. La mettre à chauffer, on va utiliser un autre feu derrière pour pouvoir le flamber, enlever l'alcool. Donc les amis, le gigot revient, le gaz part, et là j'ai mon Jurançon qui est en train de chauffer pour être brûlé. Pendant ce temps-là, je prends une toute petite dizaine de grains de poivre que je viens mettre là avec le thym, le laurier. Pareil avec les clous de girofle, une petite dizaine. Okay. On va débarrasser le gigot, une minute, même pas, 20 secondes, sur le plateau. Et on va vider cette huile qui est vraiment en trop. On remet l'un et l'autre là, comme ça. Le gigot sur le côté bombé. Là, normalement, on devrait pouvoir flamber. Non. Bref, tout l'alcool est parti, c'est l'essentiel. Maintenant, thym, laurier, poivre, clous de girofle. Les os, 24.
On recouvre du vin. On coupe le feu. On couvre. Le four a été préalablement préchauffé à 120. On prend ça. 120 degrés. Dans 3h30, on rentre, on retourne le gigot, on le relaisse 3h30. Dans 7 heures, c'est cuit. À donc dans 7 heures, je ne vais pas vous réveiller dans 3h30. À tout à l'heure. Bonjour les amis, alors re-bonjour, parce que en fait, ça fait tellement longtemps qu'il est au four que j'ai l'impression que c'était hier. Voilà, 7 heures, un peu plus, 7h05 de cuisson. Je l'ai retourné au bout de 3h40. Maintenant, on va faire l'opération la plus délicate. C'est d'essayer de le sortir, de le mettre dans le plat sans qu'il parte en déliquescence, parce que s'il est vraiment cuit, il peut se manger la petite cuillère. On va voir, surprise. Je maintiens le four allumé, mais je vais le baisser à peu près à 100 degrés. C'est pour le maintien au chaud du gigot pendant qu'on va faire réduire la sauce. Tiens, ça sent bon. Alors, ah, y a des petits morceaux qui partent quand même, hein. Mais regardez ça. Voilà, ça c'est tout le gigot qui est cuit. Regardez, il y a même un morceau d'os. Ensuite, donc ça, on va le mettre tout de suite au four. Pour le maintenir au chaud, pas trop chaud pour pas que ça continue à cuire, mais suffisamment chaud pour que le cœur reste à température. Ensuite, on va sortir tous les os cuits, bouquets garnis et autres. Hein? Alors, l'ail, qu'on appelle en chemise, j'ai quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit, mais pourquoi laisser le habillé? Ben parce que habillé, vous avez vu, au bout de 7 heures, elle se tient encore. Si vous l'épluchez, au bout de 2 heures, elle est diluée. Maintenant, ce qui est là, ça va être notre sauce. Donc, on allume la plaque, on met dessus, à feu hyper vif, et vous le laissez aussi longtemps que ce que cela arrive à l'épaisseur, à la texture de votre souhait. Je vous déconseille de rajouter maïzena, farine, etc. Ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, mais laissez réduire pour essayer d'avoir un petit jus, machin. Gardez les saveurs. On se revoit quand il sera à la texture que j'aime. A tout de suite. Voilà les amis, là j'ai laissé réduire une demi-heure. Et mon jus, il a la texture que je voulais, la couleur que je voulais. Vous voyez, il est nappant un peu. Limite, début de caramélisation. Fantastique. Donc ça, je vais le passer dans la saucière.
parce qu'il y a deux, trois petits trucs qui restent, c'est pas la peine de les avoir. Donc on passe. Et on a, regardez-moi ça. Estebes, il dirait, il est pas mauvais le jus. Alors maintenant, on va dresser. Moi, je pense que ce morceau-là, morceau de gigue, allez, je vais couper une petite tranche pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Vous avez intérieur, extérieur. Ensuite, évidemment, on va napper gentiment le jus. Alors si j'étais en colère, je jetterais dans la pour faire du style, mais j'ai pas envie. Ça, vous pouvez le servir à vos invités avec juste une cuillère. Ils vont le manger, ils n'ont pas besoin de couteau pour découper, c'est incroyablement tendre, incroyablement doux au palais. Vous servez ça avec toute forme de haricots, blanc, de soisson, flageolet, pomme de terre éventuellement, soit plutôt une pomme de terre cuite à l'eau pour garder toute la saveur, une salade, enfin, votre légume préféré. Voilà les fines bouches, 7 heures de cuisson pour un petit quart d'heure de plaisir. Mais franchement, qu'est-ce que c'est bon. Alors, moi je vous dis, essayez, dites-nous comment ça s'est passé. Je parle du quart d'heure de plaisir. Et puis, maintenant, à vos fourchettes, à vos couteaux, bon appétit. Alors, tout se passe bien ?